Fan de la musique surprise, Lamure Argent. Lamure Argent vient de se doter de 3 Barnum, outils bien indispensables pour une aisance dans l'organisation de manifestations. Il y a plusieurs mois, une étude avait vu le jour pour faire un partage des achats entre les 3 structures présentes sur la commune, à savoir la mairie, l'association Le Riou et le comité des fêtes. Chacune a pris en charge l'achat d'un chapiteau. Une initiative très utile et productive, il faut savoir travailler dans le même sens, tout le monde en ressort gagnant. L'association locale a mis en place le chapiteau pour essai et positionnement. Pour ne pas faire les choses à moitié, elle a décidé d'organiser une soirée rythmée pour la fête de la musique. Sarom, résident dans la commune depuis quelques mois, d'origine cambodgienne et cuisinier de formation, a confectionné le plat de résistance, le riz cantonais et nem. Les desserts seront apportés collégialement et partagés, le tout pour une participation de 10 euros. Les convives étaient ravis et ont apprécié à sa juste valeur ce repas typique et savoureux. Les éloges seront nombreuses. Sarom aura de nombreux fans qui viendront le congratuler lors de son passage de courtoisie. Il habite à quelques mètres de la place. Dans le cœur de la discussion, il me glissera qu'il cherche un petit local pour mettre en place une structure de vente de cuisine cambodgienne à emporter. Ce genre de rencontre reste en effet fort sympathique pour faire des rapprochements et mieux se connaître, voire simplement prendre le temps d'évoquer quelques souvenirs des temps anciens, toujours très agréable. Certains ont pu même visiter virtuellement les contrées alsaciennes avec les informations et conversations d'amis de Loul en visite de courtoisie à Lamure et qui se sont joints à la fête. La vie actuelle peut nous éloigner du contact simple et amical. L'association locale joue bien son rôle de rassemblement et de partage. Vous me direz, mais l'ambiance musicale, eh bien notre ancien pompier, conseiller municipal du village voisin, Serge, sait aussi être DJ. Il avait apporté la chaîne et le portable pour l'ambiance. Les danseurs n'ont pas attendu la fin du repas pour montrer les talents d'artiste. Le plaisir était entier, chacun passera une excellente soirée, simple mais sincère dans un partage de culture et de savoir-faire. Denise avait apporté les tartes, mais aussi les boissons de sa conception que les fingosiers ont appréciées avec une grande modération, comme le dit la formule. Mais pas de souci, il n'avait pas lieu de prendre de véhicule, la plupart des maisons se trouvaient à quelques mètres et les pas de danse remettaient les idées claires en place rapidement.